d'excitation, un peu d'appréhension aussi, ou spécialement? Non, c'est simplement prendre du plaisir. Prendre du plaisir parce qu'on joue face à une grosse équipe, la meilleure équipe du championnat. Donc c'est tout simplement prendre du plaisir à domicile, essayer de faire le maximum pour faire plaisir à nos supporters. Et puis voilà, être fier à la fin du match de rendre la meilleure copie possible. Est-ce que c'est possible de prendre du plaisir contre Paris Saint-Germain dans l'état actuel des choses? Bien sûr, parce que, entre guillemets, aujourd'hui, on a plus rien à perdre. Donc, jouer une équipe comme ça, c'est avant tout un match de gala. Eux, il y a un grand enjeu. On sait qu'ils vont venir pour essayer d'assurer le titre, sachant qu'il y a un grand match aussi le samedi soir. Donc, ça va être un très bon match et ça sera à nous de l'aborder de la meilleure des façons pour, comme je t'ai dit, essayer de faire le meilleur match possible et puis de prendre du plaisir avant tout. Est-ce qu'à ton poste, en tant que dernier rempart, tu as un peu des craintes de te prendre beaucoup d'occasions, beaucoup de vagues, ou tu sais que tu vas être sollicité, donc c'est un match qui va être plaisant? Ouais, moi j'aborde, de toute façon, j'aborde tous les matchs en me disant que ça risque d'être difficile, peu importe l'adversaire. Après, là, bien sûr, ça peut être particulier parce qu'on parle du PSG, mais avant le match de Nice, on n'aurait peut-être pas pensé que j'allais faire autant d'arrêts et concéder autant d'occasions. Donc on ne sait pas ce qui se passera dimanche, il ne faut jamais faire le match. Avant, peut-être que j'aurai beaucoup de boulot, peut-être que j'en aurai pas beaucoup, on ne sait pas. Donc, je vais préparer le match de la même façon que je prépare tous les matchs. Une déception quand tu as appris la suspension par le club de Messi ou pas du tout Peu importe qui soit là ou non, bien sûr que c'est toujours bien de jouer face à de tels joueurs, mais après, on ne va pas se mentir, ça enlève aussi une arme importante pour l'équipe adverse. Donc, ça sera à nous aussi de s'appuyer sur ça. L'absence de Messi a relancé ce débat-là. On sait que le stade de l'Aube va être plein, peut-être beaucoup de gens pour voir les stars. Qu'est-ce que toi, t'en penses en tant que Troyen, que le stade soit plein contre un adversaire et pas spécialement pour supporter les stars? Ça, on l'a déjà vécu contre Marseille. On sait que c'est des clubs qui ont une certaine ferveur, qui ont une popularité importante. Donc, comme j'ai dit, nous, c'est essayer de faire le maximum pour nous, pour rendre fiers nos supporters, nos familles qui vont être là, nos amis, tout simplement. Et puis tant mieux pour le club, ça leur fait rentrer un petit peu d'argent, le fait qu'il y ait du monde qui vienne aussi. Donc c'est aussi pour ça que c'est bien d'avoir des stars qui viennent. Mais non, nous, on va jouer tout simplement pour gagner, comme j'ai dit, avoir une fierté. Et puis voilà, on peut aussi embêter tous ces gens-là qui viennent juste pour voir ces joueurs-là. Tu te souviens du match de l'année dernière contre Paris ici? C'était le club venait juste de monter, c'était le premier match de la saison. Cet élan, cette ferveur, et là, presque un an et demi après, c'est un peu l'inverse. Quand tu vois un peu ce parallèle-là, qu'est-ce que tu te dis? C'est décevant? C'est sûr qu'à mon avis, ça ne sera peut-être pas la même ferveur, parce que je pense que l'année dernière, contrairement à peut-être ce qui va se passer là, le stade, je l'avais vraiment senti trop rien contre le PSG, contrairement à Marseille, où là, on parle d'autre chose, mais j'avais senti vraiment le stade derrière nous. Et ouais, ça avait été vraiment le 12e homme, c'est ce qui nous avait permis aussi de faire un gros match, malgré le fait qu'on ait perdu 2-1. Mais ouais, on était dans une bonne dynamique de la montée. La découverte un petit peu de la Ligue 1, tout ça. Différent certainement, parce que du fait de notre situation. Mais après, comme j'ai dit, eux, il y a de l'enjeu. Ils ont un gros match, nous aussi, parce que jouer ces matchs-là aussi, c'est... Ça nous permet de vivre de belles choses et puis de finir du mieux possible cette saison. Et tu t'as parlé, est-ce qu'il y a un sentiment aussi un peu de gâchis quand on voit ce qui s'est passé entre ces deux matchs-là, tu vois, c'est ça que je veux dire. bien sûr. Élan, et puis là, c'est un peu retour à la bien sûr, parce que là, c'était le premier match en Ligue 1, on venait de monter, c'était l'euphorie de cette situation. Et là, aujourd'hui, on sait que c'est le sens inverse en fin de saison. Il va falloir repartir à zéro, donc bien sûr que c'est totalement différent. C'est totalement différent. Mais bon, ça reste quand même un gros match à jouer, donc on va faire du maximum. Tu parles d'enjeu pour Paris, enjeu pour Paris. Là, concrètement, ça veut dire que vous avez fait une croix sur le match. On va arrêter maintenant. Non, mais moi, je l'ai déjà dit. De toute façon, j'ai toujours été cash un petit peu dans ce que je disais. Expliquez-moi comment aujourd'hui on va se maintenir en Ligue 1 en étant. Souvent, ce que le discours, c'est souvent bien. Mais mathématiquement, les mathématiques, elles sont bien belles. Mais là, aujourd'hui, il faut arrêter de se mentir. Il faudrait qu'il y ait un truc de fou, quoi, pour qu'on se maintienne. On joue le PSG, on bat la Rennes, tu vas recevoir Lille qui joue l'Europe, après tu vas Strasbourg. On va pas se mentir, c'est mission impossible. Donc maintenant, c'est bien finir ce championnat. C'est avoir
une fierté, c'est de l'orgueil, c'est aussi pas rester sur les matchs précédents, c'est essayer de prendre un maximum de points, essayer de finir le plus haut possible, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer demain dans le football, des décisions, des NCG, des trucs comme ça, donc essayer d'aller chercher le plus haut possible, et puis prendre du plaisir, tout simplement kiffer les 5 derniers matchs, parce que comme j'ai dit, il y a des gros matchs, c'est des matchs de Ligue 1, donc il faut les jouer, à fond. C'est aussi se montrer d'un point de vue personnel, c'est ça? Aussi, on va pas se mentir, c'est fait aussi pour ça, il faut pas lâcher, comme j'ai dit, parce qu'après il y a l'esprit club et après il y a le fait de donner le maximum aussi personnellement pour préparer la suite, parce qu'on sait pas de quoi il fait demain, donc il faut donner le maximum, c'est tout, parce qu'on se doit de donner le maximum pour le club, pour nos fans, pour nos familles, et pour nous personnellement, on a un contrat, donc on doit le respecter, et on n'a pas le droit de tricher aujourd'hui, donc il faut se donner au max jusqu'à la fin de saison. Toi, tu envisages la suite de ta carrière en Ligue 2 ? Moi, aujourd'hui, il me reste un an de contrat. Je suis là, je suis au club, donc je ne sais pas ce qui se passera demain. C'est à moi de travailler, puis on fera un point en fin de saison avec les dirigeants. On peut imaginer que pour les services rendus au club aussi, peut-être tu auras peut-être une porte qui s'ouvrira de la part du club aussi. Je ne sais pas. Aujourd'hui, honnêtement, moi, je me focalise vraiment sur mes performances, sur finir du mieux possible. Faire le maximum pour le club, parce que comme j'ai dit, je suis sous contrat, et puis bien finir, et on verra cet été ce qui se passera. On retrouve là depuis 2-3 matchs un peu le galon presque qu'on voyait sur et la Ligue 2, la première année de Ligue 1 aussi. T'es d'accord avec ça? Ouais, non, mais c'est vrai que sur ces derniers temps, ça se passe plutôt bien. Il y a eu aussi des belles choses tout au long de la saison, mais c'est sûr que sur une année où, voilà, où tu encaisses pas mal de buts, c'est différent. Mais là, on va dire que ouais, je me suis libéré quand même de certaines choses et ça se passe mieux, quoi. On disait souvent là, cette saison, Gauthier n'est pas forcément fautif, mais pas non plus décisif. Là, tu l'es davantage, même beaucoup sur ces 2 derniers matchs. Tu es d'accord sur un peu ce qui s'est passé avant et là sur les dernières rencontres? Ouais, bon, au final, on ne prend pas de points non plus. Enfin, on a pris un point à Nantes, mais... De moi. Mais après, il y a des moments où c'est plus compliqué, tu vois, où tu as peut-être un peu moins de réussite ou un peu moins de confiance. Il y a des moments où ça a été un peu plus dur. Il y a des moments où ça s'est bien passé. Mais derrière, collectivement, c'est un peu plus compliqué, donc ça se voit un peu moins. En fait, c'est un travail un petit peu d'équipe. C'est sûr que quand le résultat est là au bout, la performance individuelle, elle ressort. Et quand le résultat il est négatif, c'est compliqué. Mis à part un match comme Nice où là, tu as énormément de travail. Mais c'est vrai que là, sur ces derniers temps, moi, je me retrouve. Donc je suis content. Si cette alternance, enfin, le concurrent, je ne sais pas comment on peut l'appeler, comment tu l'appelleras toi, qui à un moment donné aussi a pu forcément un peu te... Un peu te décevoir. Moi, je pense que... Bon, il y a une gestion qui a été faite, elle a été gérée comme elle a été gérée. Ça n'a peut-être pas été la meilleure des façons, mais bon, après ça, c'est pas nous qui décidons, nous on est simplement là pour faire notre travail, j'essaie de faire du mieux possible, donc voilà. Si jamais tu pars de l'Estac pour revenir sur ça, est-ce qu'il y a un championnat qui t'attire un peu plus, rester en France ou partir à l'étranger? Ah, je l'ai dit, on verra en fin de saison. Non, aujourd'hui, je suis vraiment focalisé sur ma fin de championnat et puis on verra ce qui se passera plus tard. Tu as bien un peu discuté avec les supporters là, après le match dimanche dernier. Ouais. Est-ce que tu trouves que ça va des fois un peu trop loin dans les provocations, dans le chambrage? Il y a aussi des vidéos qui tournent. Bon, c'est compliqué quand même. Ouais, ça, honnêtement, j'ai pas vraiment trop envie d'en parler. Tu vois. Je préfère parler football que parler ce qui se passe un petit peu avec les supporters. C'est vrai que. Ils ont le droit de s'exprimer, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Après nous, on a essayé de faire le maximum. Malheureusement, on n'a peut-être pas répondu aux attentes, ça c'est sûr, du fait de notre position au classement. Mais aujourd'hui, je préfère m'attarder sur le match du PSG, sur le match qui arrive, que sur ce qui se passe en dehors avec les supporters. Est-ce que le fait de jouer pour vous à domicile, finalement, c'est quelque chose de plus pesant que vous préférez sur le dernier match, aller à Rennes, à l'extérieur, vous serez moins exposé, entre guillemets? Bah, je sais pas, après c'est chacun sur le plan personnel. Moi en tout cas, je sais que ça m'excite parce que je suis compétiteur et que j'ai justement envie de leur montrer qu'ils se trompent, qu'il faut qu'ils soient derrière nous, malgré le fait de la situation, donc de donner le maximum. Après peut-être que ça joue chez certains, je sais pas du tout, mais c'est pour ça que j'ai envie de gagner dimanche, surtout sur un match comme ça, pour calmer un peu tout ça. Bonjour Patrick. Bonjour.
Vous jouez le PSG ce week-end, c'est toujours un match de gala pour tous les adversaires du PSG. Est-ce que pour vous, c'est un match de gala qui malheureusement tombe un peu à plat, compte tenu du contexte actuel de sportif de l'Estac? We play against PSG this weekend. It's a big match. Yes. Regarding the context and the situation of the team, do you analyze this match still like a big match or a prestige? Every game is big that we play, regardless if it's PSG or someone else. So I think that the context for me is, can we perform and play well for 90 minutes? That's the context for me, regardless of the opposition that we play this weekend. Alors ce match est un grand match, effectivement, mais comme tous les autres, finalement, Paris Saint-Germain ou pas, le contexte, mon seul contexte, en ce qui me concerne, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est de performer pendant 90 minutes et réaliser une bonne prestation. Juste avant vous, Gauthier Gallon vous a dit que c'était mission impossible maintenant pour le maintien. Est-ce que c'est votre point de vue? Est-ce que tout le monde a acté la relégation, même si mathématiquement ce n'est pas fait? Just before Gauthier Gallon said for the, to stay in League One, it's almost impossible. Do you agree with this? And what's your idea about that? No, we fight to the end. And we play every game like it's our last game. So for me, it's fighting for the next 5 games, every minute we can together, and we see where it takes us. Alors en fait, on va se battre jusqu'au bout, jusqu'au dernier match. Il reste 5 matchs, donc on va vraiment tout donner sur ces 5 matchs. Et c'est à la fin, on verra bien où on en est à ce moment-là. Mais l'idée, c'est vraiment de jouer chaque match à fond jusqu'au dernier. On a bien compris qu'il y avait une grosse revue d'effectifs la saison prochaine. Est-ce qu'il a hâte finalement que celle-ci se termine pour vite se projeter sur celle d'après? I understand that regarding the players and for next season there will be like a reset with many new players. Do you want to, comment dire? Watch. Try. Yes. You can't wait for new season. Is it for you a little bit long this end of the season? Do you project now in the new season? Okay, so start the first bit. Yeah, there will be probably a reset right. Of players for the new season. So wait, oh, yeah. I'll start with it simply. First, we need to concentrate on now. And what happens next season, But I'm focused on the now and finishing the season as strong as possible. And then we'll go to your next question. Alors on doit tout d'abord et en premier lieu se concentrer sur la fin de saison. Et comme je l'ai dit précédemment, il reste 5 matchs, donc je suis focus sur les matchs qui arrivent et ensuite on pourra se projeter sur ce qui viendra après. And the next question? Yeah. Another one. No, and what was the question? Do I switch? Oui, est-ce qu'il y a un patient, je sais pas si peut, de switch en fait. Can I wait? Yeah. Are you in a not in a hurry? But I understand. I think I understand. I understand. I think I understand your question. So if I answer the wrong way, I'm sorry. But no. For me, it's again focusing on now, and later is later. Still have 5 games in League One, which is one of the best competitions in the world. But after that, it's a new start. But for me, it's concentrating and again trying to perform at the best level as we can for the last games. Je vais un petit peu me répéter par rapport à la réponse précédente, mais effectivement, on est
la saison prochaine, bon, on y viendra plus tard. Il y a 5 matchs encore à disputer dans une des meilleures ligues du monde. Et c'est ça l'important, c'est d'être le plus performant possible sur ces derniers matchs qui restent. Est-ce qu'il envisage un turnover plus large après Paris? Parce que je pense que Paris va rester sur une équipe très compétitive. Mais après Paris, est-ce qu'il estime, enfin, qu'il pourra faire davantage tourner les joueurs pour préparer ceux qui éventuellement joueront l'année prochaine, quoi? After this match in Paris, do you think you can play with other players, of maybe young players, in order to prepare next season? Look, I think for me, it's playing our best players we can at the right moment. Tongi's coming, who's done really well. Obviously, we have young Wilson, but for me, again, it's playing the best team we can as possible. And if that's young players, it's young players. If it's old players, it's old players. But I will play the strongest team to the end of the season. L'idée sur ce match de Paris, même sur les matchs suivants, c'est de jouer avec la meilleure équipe possible et jouer du mieux possible. Effectivement, sur les derniers matchs, Tanguy Zoukrou a joué, il a bien joué. Il y a aussi Wilson Audebert, hein, qui joue régulièrement. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'être... peut-être on pourra envisager que ça tourne un petit peu plus, mais pas forcément. L'idée, c'est vraiment de mettre une équipe qui soit compétitive et qui pourra jouer de la meilleure façon possible. Pour parler de ces deux joueurs-là, qui peut-être pourrait aller au mondial U20 qui a lieu fin mai, est-ce que le club pourrait les libérer ou il veut les garder jusqu'au bout dans son effectif? Regarding Tanguy and Wilson, that will be in next weeks the cup. Under 20. Do we know the club will ask them to stay here or will they be free? No. If they ask me, I will say they can go. I think every young player wants to represent their country, and what a great honour it is to represent your country at any level. And it's great for our club that we have two young players representing France at a World Cup in Argentina. It's very exciting for them, and again a privilege for the players and their families and the club that we could have players represent their country at any age group. Si on me demande, moi, à titre personnel, je donnerai mon avis et je serai favorable à ce qu'ils y aillent à ce championnat du monde. C'est toujours une grande opportunité, même pour les jeunes joueurs, de représenter son pays. C'est un grand privilège, donc ça se disputera en Argentine. Et voilà, dans mon idée, c'est défendre son pays, défendre ses couleurs, c'est important. Et c'est aussi une plus-value pour le club, parce que ça montre que le club a des joueurs de qualité. Donc, si ça ne tenait qu'à moi, il pourrait y aller. Comment il perçoit les tensions avec les supporters qu'on a encore vues, notamment lors du match contre Nice et après le match contre Nice aussi? What's your opinion about the clash between fans and players in the pitch, on the pitch, on the stadium, and then even after the match outside the stadium? To be honest, I didn't see anything. I didn't hear anything. So, but if this is the case, like you're telling me, obviously it's not nice. It's not nice. But honestly, I didn't hear anything. What happened at all? To be honest with you. And during the match, yeah, the fans were a little bit. Strong, yeah, with the players. Did you see it? No, because I'm concentrating on the field. Honnêtement, je n'ai pas vu grand chose, que ce soit pendant le match ou je suis tout de même vraiment concentré sur la rencontre en elle-même. Et ensuite, ce qui s'est passé après, je suis pas au courant de grand chose, donc je peux pas vous en parler énormément. Voilà. Le club a été un peu traumatisé par un 9-0, alors il n'était pas là Patrick, mais je ne sais pas si on en a parlé. Est-ce qu'il y a cette appréhension que ce match tourne mal pour l'équipe?
a few years ago, Paris went here and won 9-0. It's like a trauma for the club. Have you heard about this? And do you expect? Are you afraid to have a big loss? Not maybe not 9-0, but I haven't heard of the story that you're saying. But in a, you'd say, am I scared? I was scared that maybe the same result happened this week. No. A big loss. I've had worse things happen in my life, personal life, than playing against a very good team. That's more scary than scoring goals. Can you repeat? I've had harder things happen in my life than playing a football match for 90 minutes. That's... Alors, je n'ai, très honnêtement, j'ai pas vraiment entendu parler de ce match d'il y a quelques années, perdu très très largement. Mais à titre personnel, moi, je pense qu'il y a des choses plus graves et je suis plus effrayé par certaines choses qui peuvent arriver dans la vie que de perdre un match de football. Messi ne soit pas là, ça ouvre davantage le champ des possibles pour son équipe. Messi won't be there Sunday. Is it for the our team good news? Do you think it will be easier? There's no such thing as an easy game, you know. In the day, it's we want to play as best we can against a good team. You know, Messi's one of the best players, if not the best player in the world. You have Kylian Mbappe. For me, it's the excitement to play against the best players in the world. We should be excited to play against teams like this because this is why we play football, to play always against the best. Alors, encore une fois, on essaiera, on voudra jouer du mieux possible. Oui, effectivement, Messi est l'un, voire peut-être le meilleur joueur de l'histoire. Ils ont tout de même d'autres très grands joueurs, à l'instar de Mbappé. C'est toujours excitant de jouer contre ces genres d'équipes et contre ce genre de joueurs. Et c'est aussi pour ça qu'on travaille dans le football, qu'on joue au football, c'est pour ce genre de match. Tu peux expliquer pourquoi, des fois, entre le milieu à deux ou à trois, qu'est-ce qui fait qu'il choisit l'un ou l'autre? Can you explain why in midfield you are sometimes two and sometimes three? What the reasons for you? Why? Sometimes we want to create an overload in the midfield. That's why we play maybe one more midfielder. And sometimes we want to create more numbers up front by pushing an extra midfielder. It just depends, but more commonly we play two in the midfield and three up front because we want to try and score goals and create chances and maybe try and press the opposition a bit more. Alors ça dépend. Parfois on veut créer de la supériorité au milieu. C'est pour ça qu'il y a un joueur supplémentaire qui prend place. Et d'autres fois, on préfère avoir un joueur un peu plus haut qui pourra être dans les bons espaces, probablement pour créer d'autres, plus d'opportunités, plus de chances, et qui sera également plus haut pour presser l'adversaire. Souvent, il l'a dit au milieu, souvent en infériorité. Qu'est-ce qu'il demande du coup à ses ailiers ou à d'autres pour un peu justement renforcer le cœur du jeu? With the opponent in the midfield, because there are a large number of us. What the lack of the other players, maybe the left and the right, how can they contain, how can they defend against the team and the other player? In the heart of them. In the middle? Yeah. Strong in the heart. In vertically, yes. How can you do it? For me, it's stronger when we are only at two in midfield. Yeah, but it depends because when in block defending, it's four. It's four. For me, the most important bit is the space in between. If our space is narrow, it's better.
Remember, we play with five at the back, so maybe one centre back can push, but the spaces between our lines is the most important thing. Whether we play with 2-4-1, it's the spaces in between, so teams can't penetrate vertical easy. You know, it's going to happen, but that's why it's really important for our spaces in between, not the amount of players we have in the middle. En fait, pour moi, le plus important, c'est l'espace qu'il y a entre les lignes. Il faut que ce soit le plus étroit possible pour pas que les joueurs adverses puissent pénétrer trop facilement. Et donc, ça veut dire, peu importe qu'on soit 2, 3 ou 4 dans le cœur du jeu, c'est là où je place le curseur, c'est vraiment d'avoir des lignes très resserrées pour éviter aussi la verticalité de l'équipe adverse. C'est là où l'effort est vraiment demandé. Ce week-end, il n'y aura pas Messi, mais il n'y aura pas non plus Hakimi ni Mendes. Comment ils comptent utiliser ce manque de profondeur de l'équipe de départ? Sometimes there is no Messi, but there is no Nuno Mendes and your Hakimi. Yeah. How can you... Sorry, Nuno Mendes and Hakimi? There's none. None, yes. Yeah. What's your strategy to take profit of the fact that they don't play, and maybe you can yes. play in the space between Hakimi and Nuno Mendes are very good at offensive, right? And so it will be profitable for us. I'll try to explain. It doesn't matter. Again, they're good attackers, but I'm sure they will bring in two other good attackers. For me, it's how can we take advantage of a situation that maybe allows us to create an overload in some area of the pitch. They are good attackers. I'm sure they have other good attackers. Maybe they attack less? Maybe not. We don't know. But... What we will do is we'll definitely try to penetrate when we can. We'll definitely try to push forward when we can, knowing that they still have good players that come into those positions. Alors effectivement, quand bien même Nuno Mendes ou Hakimi soit pas là, le Paris Saint-Germain aura toujours des bons joueurs. Ce n'est pas sûr qu'ils attaquent moins, même s'ils ne sont pas là, parce qu'il y aura d'autres joueurs pour les remplacer. Ils ont de quoi faire. Donc va falloir s'adapter. Nous, on va essayer aussi de pousser, enfin voilà, d'aller de l'avant, et on verra bien ce qui se passera en face et qui remplacera ces deux joueurs que vous avez cités. Lorsqu'il y a un joueur comme Mbappé en face, comment on s'adapte? Est-ce qu'il y a un plan anti Mbappé? Il pourrait être dans la zone de Zoukrou. Est-ce que Zoukrou ne peut pas être attrapé par le stress compte tenu de son jeune âge. Voilà, comment il va gérer le cas Mbappé? Mbappé is a special player, big player. What's the strategy for the team to play against this kind of big player? So we have to be wary of the counter attack. We know they break quick. We know obviously Mbappé has good feet. He can play behind. He's quick. So as long as we are set up without the ball quickly, it will help. But you know, with quality players, that's why they're the best, because you know they're very hard to defend in certain areas of the pitch. But we will do our best to compensate that. Effectivement, Kylian Mbappé est un joueur qui a de très grandes qualités. Il est notamment très rapide et il exploite très bien les contre-attaques, ce qui en fait un joueur très, très compliqué à défendre. Donc on va devoir s'adapter, on va devoir se replier rapidement quand ils seront en situation de contre-attaque. Donc voilà, il faudra faire avec et compenser du mieux qu'on pourra faire en fonction de notre placement sur le terrain. Appris que les Pistons étaient blessés. Est-ce que vous avez regardé le match contre Lorient qui a battu
Paris pour avoir des clés pour les mettre en difficulté. Have you seen the last match of Paris against Lorient? What did you learn from this match, especially about Paris, about the way they play? About the way they played. The way they play or the quality they have. About Paris? Yeah. They're silly questions. As you know, Paris is one of the best teams in the world. Like, they're a very good team. You know, against Lorient, okay, sometimes big teams lose games. That is football. Like, that is football. But it was great to see Lorient play with courage. They attacked really well, defended really well. They handled the counter-attack really well. Maybe if Mbappe scores in the first 10 minutes, I think he has a chance. It's a different game, but they don't. But for me, it's worrying about how we can play against a very good team. But like, you gotta understand, okay, Paris is a very big team. Sometimes they lose. Not everyone wins, you know. So it doesn't mean they're a bad team. They're a good team still. Like, they're one of the world's best. That is facts. But for me, it's exciting that we can play against a quality team. But if they lose, maybe there is a reason of this lose, no? Maybe you have to speak to the coach. I'm not their coach. You have to speak to the Paris' coach. I'm Tuas' coach. Maybe. The reason is the reason. I don't comment on other teams and other out of respect. That's the, for me, it's worrying about our team. But you don't want to speak to the Lorient coach to ask him how he beats Paris? No, I don't know him. I'm sure he's a nice man, but I don't know him at all. So he done a good job on the weekend, and credit's due. He done a very good job, but I don't know him to ring him. So I concentrate on myself and the team and how we can do the best we can. Paris est une grande équipe, ça je l'ai déjà dit. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le football, les grandes équipes, ça arrive aussi qu'elles perdent. C'est ainsi, hein, c'est le football. Lorient, effectivement, a fait un très bon match, soit devant, derrière, offensivement, défensivement. Après, il y a eu certaines choses. Mbappé a eu des occasions aussi qui auraient pu faire basculer la rencontre, ou tout du moins qui auraient pu changer le cours du match. Mais tout le crédit est à mettre à cette équipe de Lorient qui a vraiment fait une très belle rencontre et qui a eu sa victoire. Après, sur comment Lorient a réussi, bon, je n'ai pas spécialement à commenter ou à demander au coach de Lorient les bonnes recettes. Tout d'abord, parce que je ne le connais pas personnellement. Et deuxièmement, parce que je suis, comme chaque entraîneur, concentré sur mon équipe et sur ma préparation du match pour dimanche. Depuis deux matchs, Robin Lopez n'est pas apparu dans l'équipe. La première fois, il était blessé. Est-ce que là, il envisage de le relancer ? The last two matches, Robin Lopez wasn't on the pitch. The first one, yes. But last match, he stayed on yes, the bench. Yes. What about Sunday? Yes, he can play. I will make this decision probably tomorrow or a bit later. But Ronnie's trained well all week. And we're very lucky to have him back because he's a good player. But he's done really well. And I will decide the team in the next few days. So he's back fully fit from his injury. Il peut jouer ce week-end. Effectivement, il a été blessé. Là, il a effectué toute la semaine à un très bon niveau. Il s'est très bien entraîné, donc je prendrai ma décision demain. Mais voilà, il est à ma disposition pour pouvoir débuter dimanche. La semaine dernière, comme face à Marseille, les Slacks s'est pris un but très tôt dans le match, ce qui peut être le cas ce week-end. Comment elle explique ça? Est-ce que c'est un manque de concentration des joueurs? Last weekend against Marseille, yes. The team conceded the goal very soon. Yes. Yeah. How can you explain this? Is it a problem of concentration? Yeah. Something else? Yeah. I think it is. I think when I look at the season, there's times in matches where we switch off, and against good teams, you pay the consequence of a goal. And we can't afford to do this. So this is the reason why we train certain moments. We show
video to make the players aware of situations that they could face, but understand that in a game you need to concentrate for 90 minutes because it doesn't matter who you play against. Everyone's a good team, everyone has good players, you'll get punished. Oui, je pense que le manque de concentration est une des clés de ces buts concédés très tôt dans la rencontre. Effectivement, dans la saison, c'est arrivé à de nombreuses reprises et on ne peut pas se le permettre, surtout en affrontant des bonnes équipes, parfois des grandes équipes. On est très vite puni quand il y a un manque de concentration à l'entame du coup d'envoi. Et c'est ce qui est arrivé là sur les derniers matchs. Dernière question. La saison n'est pas encore terminée, mais il y a déjà le premier bruit du mercato qui circule. On a vu notamment le nom de O'Neill, le joueur de Melbourne City. Est-ce que c'est une de ses priorités? Et voilà, est-ce qu'il y a des contacts concrets? Est-ce qu'on pourrait le voir débarquer à Troyes? The season is not finished yet, but the first rumors of transfer market are happening. What about O'Neill? Some Adam O'Neill. Some media talk about him. Maybe he will join the Troyes. It's almost done from some media in the world. What can you say about this? We'll see on July 1. We will see on July 1. Okay. On verra au 1er juillet. Est-ce que c'est un joueur qui l'intéresse? Is it a player that you are interested in? I'm interested in a lot of players. I'm interested in a lot of players. Il est intéressé par beaucoup de joueurs. Mais celui, il le connaît? But do you know him? Yeah, I signed him in Melbourne. So yes, I know him. Yes. Bien sûr, forcément, il est à Melbourne, donc je le connais. Donc c'est bien de se reposer sur les joueurs que l'on connaît? Donc, is it comfortable to... maybe to have some players that you know before, like O'Neill, you know O'Neill. Yeah. Is it for a coach a satisfaction to work with player you know before? When you are a coach and there is a new player, yes, that you knew before in your previous club, is it a good thing? For me, it's knowing players that fit your club, fit your culture, they're good behaviors, and they fit the style of play that you want to do. That's the most important things. Alors moi, ce que j'en pense, c'est que dès lors qu'un joueur convient au club, convient à l'état d'esprit, convient au schéma de jeu habituel, c'est toujours un bon choix. Et a fortiori, quand c'est une bonne personne, en tout cas ce qui est le cas d'Adam O'Neill. Donc voilà, c'est tout ce que je peux en dire, mais ça s'applique à tous les joueurs. Hein. Dès lors qu'ils remplissent ces critères, qui conviennent à tous ces différents critères, ça, c'est forcément une bonne recrue. Does he want to ring him and ask? Does he want to ring him and ask if he's coming? Une autre question un peu à ce propos? Non. You sure? Est-ce que... Don't be scared now. But for a coach, it will be more easier to build a team if you know the profile of each player. But you would like to... Your English is good, huh? No, it's in direct, so you have to speak in French. Non, c'est ça, je voulais savoir, en tant que coach, c'est plus facile de construire une équipe avec des joueurs que l'on connaît, avec le profil que l'on connaît. Est-ce que c'est son ambition pour l'année prochaine? He said, as a coach, it's easier to build a team with players, you know, but is it your ambition for next year? And my ambition is just to concentrate on now and then. Next season will be next season. Voilà, mon ambition. Voilà. Et ça sera la dernière réponse. Mon ambition est vraiment de rester... focus là sur la fin de saison et sur les 5 derniers matchs qui viennent et qui sont importants. Voilà, merci à tous. Merci à tous.